Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va partir sur les multisorties, comment exporter les multisorties et les avoir dans notre DAW, dans Studio One. On va voir ça maintenant. Alors on va commencer par mettre déjà, on va baisser. Voilà. Et on va baisser ma webcam. Voilà. Alors, on va prendre Easy Drummer, c'est Easy Drummer 3 hein, pour une multisortie. Donc, on va le prendre, on l'a pris, on l'a mis là. Donc, maintenant, on va l'ouvrir. Hein, on l'ouvre hein, directement. On va choisir un morceau, un passage, par exemple celui-ci. Il y a des tomes. Il y a des tomes, il y a un peu de tout. Donc, on va le prendre, on va le mettre directement sur. La piste ici, vous voyez la piste elle est là, donc on va mettre déjà une boucle et on l'écoutera ensuite. Avant tout, pour avoir le multisortie, il faut déjà avoir les sorties de chaque instrument. Alors pour avoir les sorties de chaque instrument, on va dans le mixeur. Dans le mixeur, c'est là que ça change par rapport à Easy Drummer 2. On va dans mixeur. Vous voyez, alors au départ, on voyait, il y a ça par rapport à Easy Drummer 2, kick in, kick out, kick sub. Et ici, vous avez les pistes, enfin les pistes et les sorties, des sorties de pistes. 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2, ils sont tous sur 1 sur 2. Donc là, on va dans mixeur. On fait multicanal et regardez ce qui va se passer au niveau des tranches. Au niveau des tranches, je clique dessus et voilà. Maintenant, on a 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. On a 3 et 4 pour la snare top et snare bottom. 3 et 4, 3, 4, 5, 6. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, 9, 10, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, et puis c'est tout, hein, et puis le reste. Alors maintenant, une fois que vous allez entendre le morceau, il va manquer des trucs. Alors, on va dans Groove, on le fait jouer. Voilà, on n'a que la grosse caisse. Donc pour avoir la grosse caisse, celle-ci, je la mets Plante 17-18, 17-18, 17-18. Ici, je fais 1-2, 1-2, 1-2. Je remets tout dans la sortie principale. Je remets tout dans la sortie principale. Vous voyez? 16, 17, 18, du coup, ok. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Treize, quatorze, quinze, seize, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et là, le reste, il reste comme ça. Voilà. Alors, on va arrêter ça. Hop, on arrête ça. Là, on peut le fermer. Et ici, on va dans Easy Drummer 3. On ouvre le dossier Easy Drummer, l'instrument. Et là, on reclique dessus pour avoir les pistes. Pour avoir les pistes. Voilà. Hop, à 32. Hop, hop, hop. 21, 22. On s'était arrêté à 22. On s'était arrêté à 22. On les ouvre comme ça. Une fois qu'on a ouvert ça, c'est bon, on est tranquille. Donc maintenant, pour les extérioriser, pour les extraire,
Et pour avoir les pistes à côté qui correspondent à ces pistes-là, on va dans morceaux, exporter les sous-groupes, il y a ça qui s'affiche, là c'est affiché, les sous-groupes sont affichés, on regarde 24 bits, résolution, échantillonnage 44, on fait comme ça, on va dans la boucle, on le laisse dans la boucle, et j'ai tac, on fait comme ça, on laisse tout ça, on le laisse, et on fait OK. Là, il va ressortir toutes les pistes. Bon, ça mime en même temps, c'est pas grave. OK, voilà. Une fois que c'est appuyé, on fait annuler. Hop, et là, on a nos pistes. Vous voyez? On a nos pistes, alors attendez, en bas, on va essayer de le mettre petit, en petit, voilà. Et là, on a nos pistes. On peut écouter, hein. Voilà. Alors, on met celui-ci, on le met en mute. Et là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est chercher où se trouve la grosse caisse, où se trouvent les tomes, où se trouve tout ça. Voilà, pour aller trouver tout ça, il faut les chercher une par une et remettre ici, à ce niveau-là, au niveau des pistes. Alors là, ici, on peut soit on l'ouvre, soit on le laisse ouvert, soit on le ferme, mais les pistes sont là normalement. Donc, on a juste à chercher où se trouvent les grosses caisses. Voilà où se trouve le kick. Le kick est là, donc on met kick. Ici, celui-ci, ça c'est la piste qui est là-haut. On les enlève au fur et à mesure, on les enlèvera, on choisit celle qui sert. Voilà, la caisse claire, elle est là. Donc on n'a plus qu'à changer, par exemple ici, snare. On appuie sur snare. Et puis on fait sa petite sauce. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire, ça va beaucoup plus vite. Et puis en fait, là, vous avez vos pistes qui sont ici, et ici, ce sont les pistes qui sont à ce niveau-là. Si par exemple, vous les enlevez, vous pouvez les enlever si vous voulez, hein. Vous les laissez ou vous les enlevez, ben, vous savez que ça va jusqu'à 22. Hop, voilà. Et elles sont affichées par rapport à ça. Et autrement, ben voilà, vous avez vos pistes. Et en fin de compte, après vos pistes, vous pouvez les allumer, les annuler ou pas. Alors là, voilà, là. Si par exemple, je fais ça. Hop. Voilà, je peux les annuler si je veux aussi. Donc, voilà, bah, c'est tout. C'était tout pour cette façon de voir comment on fait pour enregistrer et exporter en multiprise pour avoir les prises dans la mix session, la session de mix. Voilà, et puis après, hein, vous renommez vos pistes, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Je peux remettre la caméra, elle est là. Et puis, ben voilà ce que j'avais à faire sur le Easy Drummer. Hein, c'est cool à faire. OK, voilà. Allez, salut. Ciao, bye bye.